Ben, j'ai apprécié positivement cette activité parce que je vois qu'elle est là, qui permet aux gens de pouvoir se consulter et puis savoir quelle est leur position en termes de santé chaque jour de leur vie. Et ce que j'apprécie aussi de plus, c'est la présence aussi de la couverture maladie universelle. Cette année, nous avons la visite des responsables et cela, comme ça, entre dans le cadre de l'État pour que tout le monde puisse bénéficier de cette santé. Je salue leur présence ici aujourd'hui à Boutéan. Et aussi, il y a la présence de l'ophtalmologie qu'on n'a pas bénéficié de l'année dernière, des dentistes et des gynécologues. Ça nous va vraiment droit au cœur. Ça, je le dis en toute franchise, je suis très content. Et nous avons été, comme je le dis, nous avons été soutenus vivement par la Fondation Sonatel. Et il faut les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour que nous puissions organiser cet événement à la réussite qui est à sa hauteur. Ça, je le salue et je remercie vraiment aussi l'ONG IMCA qui nous a aussi beaucoup permis de pouvoir bénéficier de certains avantages pour mieux organiser nos journées culturelles. Mais aussi mes remerciements à l'endroit de Global Sud Santé pour notre partenariat. Un partenariat franche, un partenariat qui nous vont droit au cœur. Franchement, je le dis, parce qu'ils nous ont apporté ce dont nous avons besoin. Et ce sont des gens que nous devons soutenir, que l'État aussi doit soutenir, pour qu'ils puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent aller soutenir les populations qui souffrent, qui sont loin de nous. Donc aujourd'hui, vous le savez bien, que pour rencontrer un médecin, c'est un coût. Mais avec Global Sud Santé qui va vers la population, il faut le saluer, il faut le louer, il faut le remercier. Voilà.